Bonjour à tous, bienvenue au musée du Moulin Seigneurial. Donc cette année, vous l'avez vu, pour les journées du patrimoine, la ville de Boulot a voulu mettre en avant sa très belle collection paléontologique. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Xavier Berenthal, qui est l'inventeur, le découvreur de ce site. Donc il va pouvoir vous en parler et vous parler aussi des découvertes aux alentours, parce qu'on est vraiment dans une région de dinosaures. Il y a Velo bien sûr, mais il va vous parler de Vitrolles, de Valtabrin, des alentours. Donc vous aurez comme ça une belle horizon sur toute notre région, notre terre locale de dinosaures. Donc Xavier travaille à l'université de Poitiers, et vous verrez que toutes ces recherches sont souvent un travail international avec des chercheurs du monde entier. Et on a la chance ici à Velo, dans notre musée, d'avoir beaucoup d'originaux, ce qui n'est pas forcément le cas dans un musée. Il y a vraiment des originaux surtout chez les paléontologues. Donc on a la chance ici de présenter dans cette collection. Donc les chercheurs viennent ici quand ils ont besoin de travailler, de faire des prélèvements sur les fossiles, ils viennent directement ici à Velo. Donc c'est une chance pour nous d'avoir ces très belles pièces ici et de pouvoir vous les présenter. Voilà, donc pour ces journées du patrimoine, vous avez les ateliers qui sont proposés aux amis, enfin les amis du patrimoine à la Bastille Lopez, qui est un parc à côté. Ce soir, il y a un concert du CSN, il y a des food trucks, voilà, il y a de quoi passer une bonne soirée. Demain, les musées seront ouverts toute la journée avec la Tour Musée aussi, donc, qui présente les collections archéologiques de Velo. Et une visite à 15h de la collection qui se trouve à l'étage. Voilà. L'élu au patrimoine, Nathalie Paul, va vous dire quelques mots sans doute. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Ouais, j'allais être si nombreux, mais la salle est quasi pleine. Si vous pouvez vous avancer, vous tirez des petites pour voir l'écran, n'hésitez pas. On a la chance à Velo d'avoir une terre très riche en fait, une terre de dinosaures. On a annoncé l'année dernière en janvier avoir découvert une nouvelle espèce, encore plus grande que les autres, encore plus étonnante. Là, on a la chance d'avoir Xavier Berenthal qui nous accompagne assez régulièrement pour toutes ces recherches. Et on a Muriel, que je tiens à remercier particulièrement, qui est vraiment très très investie tout ce qui est patrimoine. C'est vrai qu'on a la chance ici d'avoir deux musées, un site archéologique, ce qui est quand même assez rare. Et chez nous, plus ça va, plus on en trouve, plus on en pose, plus on en trouve. Donc, on souhaite que ça ne s'arrête pas, justement. C'est ça notre richesse. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'être là. Si vous intéressez à votre beau village, merci. Bon, mais merci à tous, à toutes et à tous de m'avoir invité. Et je remercie aussi les amis du patrimoine d'avoir organisé cette manifestation et puis aussi d'avoir eu le nez de rebondir sur le village de l'archéologie l'année dernière, sur le village de la paléontologie cette année. C'est deux sciences qui sont complémentaires mais différentes. La paléontologie, on est, on va dire, après l'étude des hommes, et l'archéologie, on est, on va dire, dans l'évolution humaine et notre histoire. Bon, par contre, ce qu'il faudrait aussi arriver à faire discerner les deux, c'est que les deux se complètent, on fait un travail de terrain. Et comme disait Madame Lévu, c'est que ici, on a la chance à Velo d'avoir trouvé deux sites archéologiques, enfin, un site archéologique avec Roker Pertus, et un site paléontologique avec le site de Velo-la-Bastide-Notte que je vais vous présenter tout à l'heure, mais dans une continuité de travail. Parce que ce travail, en fait, il a été très long à mener. Ça fait suite, en fait, à une découverte que j'ai fait en 1993. J'habitais à Vitrolles, puis après j'habitais à Marseille, et donc étant petit, gamin, je me suis amusé en fait à faire des prospections de la garrigue et j'ai eu la chance de trouver le site de la Bastide Neuve
à cette époque-là. Donc il y a eu toute une polémique de problèmes et de maladresses par rapport à ma jeunesse et par rapport aussi à la sortie d'un film qui est très connu, qui nous rend maintenant service, qui a valorisé la discipline, c'est Jurassic Park. Alors lorsque j'ai trouvé les premiers os et je les ai déclarés, ça a été la guerre entre qu'allait récupérer le trésor, qu'allait le fouiller, voilà, c'était une guerre d'ego. Ce travail en fait a été très long. Maintenant on sait que le site est protégé et que le matériel est périn et géré par le musée du Moulin Seigneurial avec les collections de Velot, par le travail de Muriel aussi, qui est gestionnaire de ces collections. Et donc c'est une force d'avoir pu conserver, on va dire, les vrais fossiles sur place, dans un musée, dans une structure muséale. Donc c'est, on va dire, une satisfaction pour moi-même de vous présenter aujourd'hui, en fait, une première conférence sur ce travail, qui est un travail, en fait, de toute une équipe, hein, l'équipe de Poitiers. Donc le titre, c'est « Quelles nouvelles sur les découvertes dinosauriennes en France ?» Donc Velo, c'est une découverte, déjà en lui-même, mais il y a eu d'autres sites qui ont été exploités, on va dire, de Velo, à Rognac, ou à Ventabrin, jusqu'au Pen Mirabeau, et même dans le Var. Donc tout ça, c'est une cartographie d'une géologie et d'une connaissance des animaux qui vivaient à une période donnée, et on n'a pas de frontières à ces époques-là, c'est un ensemble. On n'est pas à travailler sur la commune de Vitrolles, on n'est pas à travailler sur la commune de Velo, on n'est pas à travailler sur le domaine de Roquerottes. Tout est un ensemble, et justement, toute cette richesse doit être mise en commun pour que les scientifiques puissent travailler tous ensemble dans des analyses de comparaison sur l'étude qu'ils font. Alors, donc moi je suis Xavier Valentin, je suis ingénieur au labo de Poitiers, l'Université de Poitiers, dans une unité de mix de recherche, un labo qui travaille sur la paléontologie. Donc c'est un labo qui s'appelle Paléozooprime, qui va étudier la paléontologie, la paléoécologie des animaux, les paléo-environnements, donc le paysage où vivaient ces animaux, et aussi on a une force, on travaille en paléoprimatologie. On a pu découvrir en fait les premiers restes de d'hominidés dans le monde avec la découverte de Toumaï en 2001. Donc là, aujourd'hui, on est en 2022. Donc pour moi, tout ça, c'est du passé. On continue à travailler sur les thématiques qu'on a pu développer au laboratoire de Poitiers avec justement le site de Velo, par exemple. Géraldine Garcia, qui est la cheville ouvrière aussi sur ce projet, qui est maître de conférence à l'Université de Poitiers, dans le même laboratoire. Bon, il n'y a pas de secret, on vit ensemble. Donc tout ce travail, en fait, c'est un travail de grosso modo de 20 années, mais après on ne compte pas, on va dire, depuis les années 90, où il y a eu des découvertes de petits fossiles, essayer de les valoriser, essayer de demander aux élus de les valoriser, essayer d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir travailler. Tout ça, ça a été un sacerdoce, et on prend des années, on vieillit, et lorsqu'on a un petit peu de barbe blanche, eh ben, on se sent un peu plus respecté, les choses vont plus facilement lorsque le travail est après effectué, lorsqu'on a des résultats et lorsqu'on arrive à les valoriser à l'extérieur. Alors, ce travail a été fait grâce à justement à la ville de Velo, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, département des Bouches-du-Rhône, notre laboratoire et aussi l'association Palaios, dont je suis le responsable. C'est une association de recherche qui a été créée en 2009 lorsqu'on a pu travailler avec le département pour la première fouille sur le site de Velo de la Bastide Neuve. C'est le département qui nous a conseillé de créer une association pour pouvoir obtenir des subventions, pour pouvoir payer les repas, payer les fournitures sur le chantier de fouille, etc. Bon, c'est comme une petite entreprise, il faut de l'argent pour faire des choses, du terrassement. Donc tout à l'heure, nous verrons tout ça. Alors, merci encore d'être là, parce que vous êtes assez nombreux. Je pense que dans la salle, si vous avez des questions spontanées, je suis là pour y répondre. C'est même intéressant que d'attendre la fin de... Il n'y a pas de souci. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair,
vaut mieux rebondir tout de suite. Voilà. Alors, mon parcours, je l'ai un peu déjà en préambule tout à l'heure. Donc, j'ai commencé très tôt d'être baigné en paléontologie. Dès 1992, j'ai travaillé en tant que bénévole, bénévolat pur, hein, c'est-à-dire aider une structure scientifique au musée des dinosaures à Esperanza, l'association Dinosauria. Vous avez à chaque fois une vue chronologique. Ah, ça ne marche pas sur l'écran. Ah, c'est dommage. Oui. Alors, vous voyez la flèche rouge où en fait le niveau de connaissance et le niveau universitaire qu'il faut avoir pour pouvoir travailler après dans un laboratoire de recherche, dans une université ou dans un muséum. Donc, j'ai obtenu un master de paléontologie, un mémoire au PHE à la Sorbonne, un diplôme d'études supérieures à Poitiers. Et voilà. Donc tout ça en travaillant, en étant militaire de carrière, en ayant un contrat, en étant maçon dans les monuments historiques, en étant bénévole sur toute action paléontologique. J'ai travaillé aussi en 99, au Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence. Et donc moi, on me proposait un emploi jeune, j'ai préféré partir. Et donc j'ai pu avoir la chance de continuer à l'Université de Poitiers en tant qu'ingénieur en paléontologie. Alors j'ai deux casquettes, je suis ingénieur en paléontologie, mais aussi en archéologie. Je peux travailler soit sur des vestiges, on va dire, ou des terrains, plutôt des terrains, sur l'ancien et puis le moins ancien. Donc avant ça, là aujourd'hui, j'ai été recruté en 2000, ça fait 22 ans que je suis au laboratoire, dans le même laboratoire, j'ai préféré rester sur place. Et en 98, j'ai monté aussi, avec le directeur du parc, la plaine des dinosaures qui est à Metz. Voilà, donc j'étais mouleur préparateur, donc je faisais aussi des sculptures d'animaux préhistoriques pour ce parc. C'est un parc qui marche très bien, qui fait à peu près maintenant 100 000 visiteurs par an. Donc ça, c'est l'aspect parc, on a un parc à Istres, voilà, c'est de la culture, on voit des choses, mais on n'est pas dans la vraie réalité scientifique. Une vraie réalité scientifique, c'est lorsqu'on a un musée, lorsque des chercheurs viennent sortir des pièces, travaillent sur ces pièces, ça c'est la science. Là, aujourd'hui, je suis en train de vous valoriser ces résultats à travers une communication orale. Donc voilà, on ne travaille pas qu'à Volo, on ne travaille pas avec des élus, des communes comme à Vitrolles, etc. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça marche, mais aussi on peut aussi travailler à l'étranger. Souvent, l'État, le CNRS ou même les décidants préfèrent envoyer une équipe à l'extérieur de l'Hexagone parce qu'on pense qu'en France, tout est fait. C'est totalement faux. Avec tout ce que je vais vous montrer par la suite, après, dans les diapos. Alors, les trois premières diapos sur la gauche, en fait, c'est une mission qu'on a fait. Je ne vais pas vous dire les années, parce que c'est peu important. C'est en Antarctique, hein, sur l'île de Roi-Georges. Après, en deuxième, on a des vues d'une marche en Libye. Voilà, c'était à dos de chameau, et une marche à pied, pour prospecter le désert libyen, à la recherche de hominidés anciens. Là, vous avez après une vue du crâne de Toumaï encroûté. C'est le plus ancien hominidé qui a 7 millions d'années. C'est une découverte de l'Université de Poitiers, faite par le professeur Michel Grenet. Et donc, vous avez après le crâne qui a été dégagé par moi-même, et après, il a été moulé par moi-même aussi. Des missions au Tchad, vous voyez les conditions. C'est intéressant de voir aussi les conditions, des fois, extrêmes. C'est le désert, donc il faut arriver en voiture. Il faut prévoir le carburant, je ne vous dis pas aujourd'hui avec le prix que ça vaut. On a des ensablements, il faut pouvoir sortir les voitures du sable. Donc on a des grilles, comme ça, on passe sous la voiture, on essaie de démarrer. Il faut éviter les pépins, il faut avoir de l'eau de boisson, etc. Donc des expositions comme ça, on est nomade, on n'a pas d'écran de base, on fait des expositions itinérantes, c'est-à-dire on va se déplacer à chaque fois qu'on prospecte. Donc la prospection, c'est important. C'est-à-dire, comme je vous disais, quand j'ai commencé, moi j'ai prospecté toutes les collines pour essayer de trouver des petits fossiles. Pourquoi ? Parce que j'avais, au lieu de faire mes devoirs, moi j'ai
dégager des eaux derrière, c'est pas bien pour écouter. Maintenant, j'ai un parcours qui est très atypique. Maintenant, c'est très difficile, il faut quand même avoir des... C'est pour ça que je vous ai montré un petit peu, pour être paléontologue, les 27 bacs du suite. Donc il faut vraiment convaincre nos jeunes s'ils veulent faire un métier, il faut aller à l'université et puis bûcher. Quoi. Il n'y a plus de secret. Donc les parcours atypiques sont devenus très rares. Et c'est comme ça, c'est économique, c'est la société qui a évolué comme ça. Donc là, vous avez après des missions en Libye, c'est la quatrième fenêtre. Vous voyez qu'on fait du tamisage, on va laver le sable. Donc quand on est en Libye, on a dû amener, vous voyez les citernes des pompiers, là, gonflables, hein, voilà, et un transporteur pour amener de l'eau pour pouvoir tamiser des mètres cubes de sable. Donc il faut aussi avoir une logistique, il faut penser à tout ça. La ressource alimentaire humaine, mais aussi logistique et technique. Autrement, vous avez aussi le Cameroun. Après, vous avez une mission que je suis très fier, c'est en Sibérie en 2014, qui a été, où on a tourné avec Arte dans du volcano sédimentaire. C'est pas de la lave, mais il y a aussi de la lave qui va recouvrir, comme à Pompéi, des fossiles. Et ils sont très bien conservés. Et dans ces fossiles, c'est une mission menée par l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Pascal Godefroy, qui est un collègue et ami. Et donc, on a pu, grâce à l'association Palaios, obtenir, grâce à cette caisse, on va dire, obtenir de l'argent via le reportage Arte avec le groupe Thomas Production, qui est dans le coin, c'est une société. Donc on a pu faire ce reportage, et là on a retrouvé en fait des ornithopodes. Imaginez un rhabdodon, vous en avez au musée, c'est comme un iguanodon, mais ce petit rhabdodon qui est ornithopode de l'époque, il y a 140 millions d'années, il était très petit, il avait un bec corné comme les oiseaux, des dents broyeuses comme le rhabdodon, mais il avait des protoplumes sur le dos. Donc il faudrait imaginer notre rhabdodon aussi, comme nos oiseaux, recouvert de plumes. C'est pas une hypothèse, à mon avis c'est très possible. Donc en Sibérie, à Kourouba, on a pu découvrir ces plumes. Après, encore une mission en Libye où on va travailler au marteau-piqueur pour faire des excavations, pour creuser, pour extraire un maximum à niveau. On va après faire du tamisage, comme je vous l'ai dit. Pourquoi un tamisage ? C'est qu'on va découvrir des petites choses, des petites dents qui sont millimétriques à quelques centimètres. On va après le trier sous binoculaire, on va ramener le sable, trier plus ou moins, et après jusqu'au laboratoire. Et après, vous avez des missions en Europe, voilà, où on travaille en altitude, on a un parasol pour se protéger, on a encordé quasiment, sous des corniches, et là on a trouvé un reste de primates, comme un babouin de 2 millions d'années. Voilà. Donc voilà un petit peu le parcours de vie. Ça, grosso modo, une vingtaine d'années. C'est vrai que par tranche de 10 ans, on fait des choses, mais le temps se passe vite, on ne peut pas tout faire non plus. Si on a aussi plusieurs chantiers à son actif. C'est le cas avec le labo de Poitiers, parce qu'on est très actif, on va étudier le matériel qu'on va chercher. Donc on fait beaucoup de terrain. Alors on va revenir un petit peu, on va dire, aux prémices aussi, c'est-à-dire lorsqu'on découvre un gisement, il va falloir faire un sondage, comme ce qu'on a fait à Velo, on a fait un sondage en 2002, mais par contre on a fouillé en 2009, donc il a fallu du temps. Pourquoi ? Pour essayer de convaincre, on va faire comme aujourd'hui une conférence auprès de collectivités pour essayer de dire on aimerait fouiller à tel endroit. Il faut aussi demander les autorisations pour pouvoir travailler. Une autorisation faite en législation. En paléontologie, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on est propriétaire d'un terrain, on peut récupérer les eaux et on peut les revendre parce qu'il n'y a pas de législation. En archéologie, c'est interdit. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir du commerce avec des ossements fossiles, avec des fossiles, mais bon, ça simplifie tout. Simplifie aussi les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de législation, on n'est pas embêté, on a toujours, on va dire, un aval
ou peut-être un refus parce qu'on est chez quelqu'un et il ne veut pas. Voilà, ça vient du coup. Bon, alors pour convaincre, il faut avoir de l'énergie, si on ne va pas sur le terrain, on n'a pas une compréhension un petit peu de ce qu'on va faire. Donc, on ne fouille pas pour fouiller. Si on fouille, c'est qu'il y a une raison scientifique, et c'est qu'il y a aussi un intérêt, et on n'est pas tout seul. Il y a un groupe qui veut travailler. Donc c'est ce qu'on va vous montrer. On a des géologues, on a des sédimentologues qui vont étudier des roches. Il y a aussi des paléobotanistes qui vont étudier les plantes qu'on peut retrouver sur les cartes aussi. Des spécialistes de différents groupes, des spécialistes qui étudient les ornithopodes, par exemple les iguanodons, les raptodons, on va dire, et les spécialistes qui vont étudier les sauropodes. Souvent, ils ne savent pas faire les deux. C'est chacun à sa spécialité. Donc ça, ces groupes de travail, il faut les chercher, et il faut pouvoir travailler aussi avec les gens qu'on a envie, parce qu'on ne sait pas non plus... il faut qu'il y ait de l'amitié, il faut qu'il y ait des choses qui soient limpides et intéressantes, parce que souvent, c'est des histoires qui durent des dizaines d'années. Parce que ce n'est pas un travail, on va dire, comme en archéologie, où on extrait des choses, et puis le chef de chantier rédige un rapport et c'est fini. En paléontologie, comme je disais, dans notre laboratoire, on fait le métier de A à Z, on va sur le terrain, on l'exploite, on fait des expositions, on le diffuse, on fait des livres, des publications. Donc voilà. Après, la boucle est bouclée, et on essaie que le matériel revienne aussi dans leur pays d'origine. Pourquoi ce qui est intéressant, c'est de faire du terrain et de retrouver d'autres gisements, c'est que des fois on a des scénarios. Est-ce que vous savez ce que c'est la paléogéographie? C'est-à-dire qu'à une certaine période, on sait que la planète était recouverte d'eau, comme ça, qu'il y avait des terrains qui étaient. Il n'y avait pas plusieurs continents, il y a des continents qui étaient uniques. C'était un peu le cas, par exemple, au Crétacé supérieur, entre 100 millions d'années et 66 millions d'années d'extinction, il n'y a plus de dinosaures, on a le Crétacé supérieur. Et là, ces terrains, en fait, on les imagine en fait un petit peu comme sur la vignette de gauche, une immensité d'eau avec un petit peu de petites terres émergées, des choses comme ça. Donc ce qu'on sait avec la géologie de la France, c'est que les plus vieilles roches qui étaient avant le Crétacé supérieur, il y a le Massif central, par exemple, l'Estérel, le Massif armoricain, donc ça, ce sont déjà des monts qui étaient émergés, et donc c'était vraiment la terre ferme où vivaient des animaux. Voilà, ça c'est le plus simple. On peut se retrouver dans un contexte environnemental comme par exemple, on est sur la terre ferme, mais on est près de la mer aussi. On est dans un milieu maritime, comme ce qu'on peut avoir dans le sud-ouest de la France, les marais de Poitevin, c'est-à-dire on est proche de l'Atlantique, mais on est quand même, s'il y a une remontée des eaux, ça va revenir comme la première vignette ou comme la deuxième. Quoi. La mer va avancer vers les terres. Le cycle géologique avec la montée des eaux, ça ne fait que ça. Hein. C'est pas, ça nous arrive parce que ça doit arriver et ça redescendra, ça remontera. Peut-être qu'on s'est trop approché des côtes. Après, c'est un problème d'architecte et de géomètre. Hein. Là, je rebondis aussi. On peut après, lorsqu'on a des fossiles et on connaît très bien la végétation ou les animaux, on va recréer, on va dire virtuellement, avec la vue d'un artiste et aussi avec les conseils du paléontologue, un paysage de l'époque. Donc ça, c'est un site en vieille en Vienne que j'ai découvert il y a 3 ans maintenant, où on a justement les premiers animaux qui vivaient au Crétacé supérieur. Donc c'est le gisement de Persac. Et on n'est plus dans un milieu comme la fenêtre de gauche, très très aquatique. On n'est pas trop près non plus de la mer, mais on est plutôt dans un environnement élevé d'altitude avec des petits lacs karstiques, avec des remontées d'eau du souterrain qui créent des mares. Et en fait, on est sur les pieds du Massif central. Poitiers, près du Massif central. Massif central est près aussi du département du Gard. Enfin, le Massif central, c'est un bon rond au milieu de la France. Donc, voilà, ça colle.
Alors, lorsqu'on fait des fouilles, comme je vous ai dit, par exemple, on a fait des fouilles en 2000, en plein centre-ville, Sexus Mirabeau, avec Géraldine, on était les responsables de chantier, et on a recensé à peu près 350 œufs de dinosaures sur 3,50 mètres de niveau fouillé, sur 3200 mètres carrés fouillés. C'est la plus grosse fouille en France actuellement. Et donc on a pu découvrir tous ces œufs, tous ces nids. On a retrouvé aussi des petits œufs d'autres animaux que des sauropodes, des dinosaures à long cou. On a reçu des petits œufs d'oiseaux ou de petits carnivores, on ne sait pas encore. On ne les a pas étudiés en fait. Et là vous avez en fait une cartographie faite avec tous les œufs indiqués, faite avec un théodolite de l'époque. Maintenant on aurait eu un drone, c'était en 2000. Très peu de photos parce que les photos, c'est pénible à faire une photo. Mais maintenant, on peut faire du numérique, on peut avoir plein de photos. On a un manque d'informations énorme parce que ce n'était pas peut-être le moment, on va dire, qualitativement, on va dire, au niveau informatique, on n'était pas, on va dire, au niveau que maintenant, on est pas mal au niveau, mais peut-être dans les générations futures, on aura une nouvelle approche, justement, de comment on fouille un terrain. Donc c'est pour ça qu'un terrain aussi, il ne faut pas non plus l'épuiser. Il faut laisser des choses, et peut-être aussi laisser des choses en dormance, le recouvrir, protéger une fouille. C'est pas dire, on va dire, on l'arrête. C'est aussi pour les générations futures. Moi, je suis aussi dans cette démarche. Bon, après, un site de fouille comme la Bastide Neuve, on reviendra dessus, n'est pas épuisé, est très 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 riche. On peut se permettre encore de continuer, peut-être l'aventure. Je suis clair pour l'instant, je ne vais pas trop vite. Dites-moi. Géraldine Garcia en fait a fait sa thèse en 98 sur les œufs de dinosaures, ce qui nous a amené en fait à faire beaucoup de prospections dans le bassin d'Aix en Provence, où moi j'appelle plutôt ici le synclinal de l'étang de Berre. Voilà, c'est plutôt cette bordure coincée au niveau de Berre. Alors, pour revenir justement sur le bassin d'Aix en Provence, qui est la thématique d'aujourd'hui, il faut revenir aussi au XIXe siècle, où de grands scientifiques ont marqué cette histoire au niveau de la géologie et de la paléontologie. Alors, ils sont placés chronologiquement, mais on peut aussi partir du plus récent au plus ancien. C'est pas très grave. C'est un travail qui est reconnu et qui est important et qui continue à se faire. Alors, en 1958, on a les deux conservatoires du Muséum d'Aix, Dubi et Sirugue, qui ont travaillé énormément sur les œufs de dinosaures et essayé de caractériser la coquille d'un œuf de dinosaure. La coquille d'un œuf de dinosaure est constituée, comme nos coquilles de poules, d'unités cristallines et suivant cette forme d'unité cristalline, on peut voir si c'est un crocodile, si c'est un œuf d'oiseau, si c'est un œuf de sauropode, de dinosaure à carnivore, etc. Donc il y a tout un travail qui a été fait là-dessus. En 47, donc les gisements qu'ils ont, où ils se sont amusés, on va dire, c'est le gisement de Roquerotte, dans le domaine de la Sainte-Victoire, où il y a maintenant la réserve, où il y a tous les œufs qui sont préservés. Pour aussi les générations futures, et aussi pour contre la collecte sauvage de fossiles. Alors en 1947, le personnage à gauche, c'est Albert de Laparent, qui a travaillé avec des spécialistes de l'époque et qui a étudié les premiers os de dinosaures trouvés ici, dans le Var, à Fox-en-Fosse. Alors c'est hors zone du bassin d'Aix, mais je voulais indiquer parce que c'est un endroit où on a travaillé aussi bien avant, on va dire, le site de Velours. On a travaillé avec une association qui s'appelait l'association de recherche paléontologique du Var, la RPV, où on a exploité le gisement historique justement d'Albert de Laparent. Philippe Matteron, 1869.
Alors lui, c'est un architecte qui a surveillé en fait la ligne Paris-Lyon-Marseille, le PLM, et lors du creusement de la Merte, à l'embouchure de Marseille, ils ont découvert en fait dans des roches très sombres, très argiles, de l'argile noire, d'un reste d'un dinosaure qu'on appellera, qu'il a nommé lui, le rhabdodon. Voilà, donc ça a commencé comme ça grâce à ce personnage. Et Philippe Bateron est le père de la géologie provençale. Il a beaucoup travaillé en cartographie, sur les cartes même de la ville de Marseille, mais aussi en géologie. Et il a pu travailler sur le rhabdodon. Et en 1868, il a aussi travaillé sur un dinosaure à long cou qui s'appellera à l'époque Ipsilosaurus priscus, le dinosaure qui va être remplacé par la suite par celui de velours, l'Astyganosaurus velociensis. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de restes pour pouvoir conserver en fait ce nom. Donc on l'a remplacé par un nom valide où il y a beaucoup plus de restes et on est certain, on va dire, de la position où ça a été trouvé. Parce que ces eaux qu'a trouvé Philippe Bateron, il les a trouvées du côté de Rognac, vers la gare. Et moi, je pense que ça a été trouvé vers le quartier de la frégate. Maintenant, ils ont mis des rochers sur le bord de la route. On peut dire que le gisement a disparu. Et je pense que c'était bien là. Que ça coïncide en plus avec la ligne qui passe à côté. Alors, Gaston de Saporta, c'est un paléobotaniste. Il va travailler sur les plantes, dans le bassin de Fuveau. Et il va aussi travailler dans des roches plus récentes, sur les plâtrières d'Aix-en-Provence. Il y a énormément d'empreintes de feuilles, des choses comme ça. Il y a eu des oiseaux, des grenouilles. Mais ça, les plâtrières d'Aix-en-Provence, ça a 20 millions d'années. Par contre, le site de Fuveau, c'est des gisements contemporains à Velo, juste un tout petit peu plus anciens, de 1 ou 2 millions d'années. Voilà. Donc, Gaston de Saporta, il est intéressant aussi, je vous l'ai mis, c'est qu'il a aussi étudié des débris de plantes trouvés entre Coudoux et Velo au pont de l'Arc, sur les bords de la rivière. Je pense qu'on a pu retrouver, nous, avec notre équipe, d'autres niveaux équivalents, un petit peu plus loin, mais qui pourraient correspondre. Oui. Sur votre carte, la zone blanche, elle va de Rognac à Roquehaute. Alors les zones blanches, en fait, on va dire que c'est les terrains qui ne sont pas crétacés. Le crétacé, c'est tout ce qui est gris. Voilà. En fait, sur la zone plus claire, ça va de Rognac au-dessus de l'étoile, Roquehaute. Le bassin de l'Arc. Ouais, c'est cette zone claire, en fait, ce serait le Crétacé. Voilà, c'est des. Bon, c'est kiff-kiff. Hein. Après, il faut dire qu'à, par exemple, à Velo, c'était cartographié quaternaire. C'était les gravières de l'Arc. Il n'y avait pas de Crétacé indiqué sur les cartes géologiques libérées. Donc, des fois, les cartes évoluent aussi par rapport aux découvertes. Donc, on a le plateau du Sangle, ça, c'est plus récent. Et après, on dégringole, on a le Crétacé qui est là. Ouais. Il faudrait que ça soit en couleur pour voir l'eau, etc. Alors, on va venir maintenant sur le site de Velo, la Bastide Neuve. Donc, comme je vous disais, ça a démarré en 2002 pour un sondage. Et il y a eu deux opérations de fouilles en 2009 et en 2012. Donc vous avez une vue du chantier, là, où on a été à peu près plus d'une trentaine de personnes, on va dire. Et c'est un site qui a livré, en fait, plusieurs locus. Alors, qu'est-ce que c'est un locus ? C'est écrit là-haut. Donc, là-haut, vous avez aussi la datation, K-sup, c'est Crétacé supérieur, 74 millions d'années, c'est à peu près l'âge qu'on peut donner au gisement par rapport à la faune et à la flore qu'on trouve en comparaison avec d'autres choses dans le monde. C'est pour ça que c'est important d'avoir un gisement en plus pour faire des comparaisons avec d'autres gisements. Et là-dessus, on a beaucoup travaillé, on a fait aussi un travail de terrain, on a analysé toute la roche très finement, on appelle ça la micro-sédimentologie, et on a redécouvert dans ces roches
à tous les niveaux quasiment, des petits restes de charbon. Alors d'après vous, pourquoi il y aurait des petits restes de charbon dedans? Oui. Parce qu'il y aurait beaucoup de forêt. Oui. Et si la forêt est transformée en charbon de bois, c'est pourquoi? C'est parce que les arbres tombent sur mort et se décomposent. C'est qu'en fait, on est souvent dans des zones très tropicales, très chaudes, et il y a aussi des incendies de forêt. Je sais que c'est pas malin de montrer ça, mais là, c'est des phénomènes, on va dire, naturels. Et donc, on a, quand il y a un incendie de forêt, le paysage va se retransformer, la végétation ne sera pas la même, et on va pouvoir avoir aussi d'autres scénarios, on va dire, du milieu de l'écosystème terrestre et aquatique, parce qu'il y avait l'eau aussi à côté. Quand il y a des fossiles, il y a souvent un milieu d'eau à proximité, parce que les animaux tombent dans l'eau, sont recouverts de sédiments et se fossilisent. Après, la fossilisation, elle est quand même souvent exceptionnelle, elle est rare. Ce n'est pas systématique, parce que si on va enfuir quelque chose, un os dans du sol avec beaucoup de couches, s'il y a des bactéries, ben, il n'y aura plus rien. Donc il faut aussi quasiment pas d'oxygène. Et donc ça, c'est le lobe du gisement. Et donc on a aussi prélevé les restes de pollen dedans, on voit un petit peu la végétation. On a vu des restes d'incendie. Et on a aussi fait des relevés sur le terrain, comme sur le site à l'œuf. On a tous les ossements qui sont répertoriés et on peut ainsi, comme ça, savoir positionner d'où vient l'ossement qui est en collection, est-ce qu'il est plus bas, plus haut. Et on a, dans le gisement de Boulot, deux locus de niveau fossilifère pour les ossements. C'est une brèche chanceuse, avec deux temps. Un temps plus rapide avec des eaux plus transportées, plus concentrées, et un temps plus long avec des eaux et un sédiment plus fin, où on a des choses moins désarticulées. Ça, c'est pour les ossements. Et après, on a un locus avec un niveau plus haut, en rouge, là, où on a des autres de dinosaures. Donc là, on est un peu plus éloigné de l'eau, des nids de dinosaures. Et un peu plus haut, après, on a un quatrième locus qui n'a pas été fouillé. On retrouve encore des ossements. Donc ça, c'est une zone qu'on ne connaît pas. On l'a découverte, en fait, quasiment les derniers jours du chantier, la dernière fois, en 2012. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Et sur ce log, on a aussi fait des prélèvements de roches pour essayer de voir un petit peu l'enregistrement paléomagnétique de l'écorce terrestre. On va analyser les roches, les minéraux lourds, pour essayer de voir est-ce que c'est plus vieux, moins vieux, etc. avec les minéraux qu'il y a dedans. Alors, c'est un article qui a été publié, hein, à chaque fois je vous mets l'article. Vous voyez, c'est Saint-Cotta, état 2015, Klaus Wann, dans une revue scientifique, et donc ça martèle en fait la publication. Là, le site est connu grâce à ça. Alors, le procédé de fouille en 2009, donc souvent c'est un décapage, on repère un gisement, on va utiliser des engins pour enlever les couches stériles, azoïques où il n'y a rien. Après, il peut y avoir aussi du dégagement manuel, on va utiliser des balais, on va nettoyer pour essayer de repérer les choses qu'on voit au sol. On va utiliser de la bombe de peinture, voilà, vite fait, il y a des indices. On va découper aussi pour prélever, par exemple, ces indices. On peut utiliser un marteau piqueur aussi pour dégrossir. Par contre, tous les ossements qui sont prélevés sont orientés avec le nord géographique, justement, pour grâce au paléomagnétisme, on va pouvoir après savoir si ce nord avait changé ou pas, et donc on va pouvoir caler le gisement au niveau âge datation. Donc on sait que le gisement a un âge de 74 millions d'années par rapport aux carottes qu'on a aux archives mondiales avec les niveaux marins et d'autres gisements. Alors les fossiles sont prélevés avec la technique du cocon de plate, c'est-à-dire qu'on voit un fossile. On va lui injecter de la colle pour l'indurer, pour le consolider. On ne va pas le ramasser comme ça, hein. On va détourer, on va l'habiller avec de la toile de jute et du plâtre, et ça va faire une armature. Après, on vient casser avec des curins, comme la photo numéro 3. On vient cliver la roche, on retourne l'ensemble, et on a un bloc qui peut se charger en voiture, ou si c'est très gros, avec d'un engin, on va pouvoir prendre un gros morceau de roche qui a des ossements dedans.
si ce sont des ossements de dinosaures, les échantillons sont souvent grands. Et là, vous avez une vue du site. Pardon. Vous avez une vue du site. Mince. Ah oui, je suis pas bon. Vous voyez un petit peu tous les prélèvements qui sont en train d'être effectués sur la fouille. Alors, lorsqu'on fouille, on a aussi un conditionnement à faire. Donc, vous voyez qu'on a prélevé à peu près 150 plaques, plus de 450 pièces. Il y a eu 8 ans de dégagement pour préparer tout le matériel, parce que c'est un grès qui est dur. Il faut des micro-burins, comme des petits micro-percuteurs. On va dégager les eaux manuellement. On peut aussi faire des attaques acides pour encore approfondir la préparation. Et il y a eu 5 ans d'analyse justement pour savoir est-ce que ça a 74 millions d'années, pour récupérer les pollens, pour ça ce sont les carottes, vous voyez au central, les carottes justement d'analyse de datation. Et aussi, il y a aussi des zones de moulage, des opérations de moulage, pour essayer d'avoir des copies justement du matériel qui est exposé au sein de la structure muséale, ici à Velo. Alors tout c'est un gros travail. Le sacrum qui est moulé là, qui provient de l'holotype d'Astinganasaurus, le sacrum du sauropode, découvert, lui le sacrum il était découvert en 2002, ce moulage a nécessité 45 jours à peu près de travail. Par contre la préparation du fossile, 2 mois. En sachant que c'est moi qui fais cette opération et je suis sur le terrain, ça permet aussi de savoir comment elle, si la pièce est fragile, etc. Je connais aussi les contraintes là-dessus par rapport au fossile. Alors nos résultats scientifiques principaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a en 2010, on a publié le premier dinosaure à long cou, on va dire de Velo, le premier sauropode, qui a remplacé justement le sauropode de Matheron, hein, l'Ipsilosaurus priscus. Ipsilosaurus, c'est-à-dire haut, voilà, lézard. Il avoisinait la taille, ils avaient dit 27 mètres. Celui de Velo, il est petit. Sur quel critère, je ne sais pas. Même sur un fémur qui fait 1,10 m, ça ne peut pas faire 27 mètres de long. Pour des animaux comme ça. Donc, nous, on a avoisiné les eaux, justement, c'est pour ça qu'on a démonté ce genre. Malheureusement, on a préféré rendre un fossile plus valide pour un fossile qu'on retrouve aussi ailleurs dans le bassin d'Aix. Donc, Astyganosaurus velociensis, en hommage à Velo. Et pourquoi Astyganosaurus? Parce qu'aussi, Astyngan, ça veut dire lézard. Mais on va dire gitan, qui permet, qui a une migration, en fait, on ne le retrouve pas qu'à Velo, on le retrouve aussi en Espagne, on le retrouve en Roumanie, voilà. C'est ce dinosaure, il est un peu partout, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a 74 millions d'années, comme je vous disais, il y a le massif central, en fait, c'est un bon moment, ça forme une île, et une île aussi avec la Roumanie, voilà, il y a des petites îles. Il y a des petits cordons de passage, il y a des migrations de ces grands sauropodes, parce que les grands sauropodes, c'est un peu comme les bisons, ben ça se déplace pour aller manger, voilà, suivant les saisons. Donc il devait avoir des migrations. On a renforcé cette étude en 2018 avec, justement, à cause de la fouille de 2012, on a eu un mélange d'os par rapport au site. On a retrouvé des os un peu plus grands que les uns les autres, d'Astyganosaurus. Donc il devait avoir une explication. Et en 2018, on a perforé, on va dire, des fémurs, et on a perforé des humérus, en fait, les os des membres. Et on a vu que les os d'Astyganosaurus étaient plus petits, et il y avait un dinosaure qui était plus grand, qu'on a nommé par la suite Garriga Titan, le titan de la garrigue. Et lorsqu'on a perforé ces os, on a pu vérifier la structure osseuse qui est conservée dans les os de Velo, c'est très bien conservé. On a une structure osseuse qui est pleine, qui est formée, et donc ce sont des adultes et des vieux animaux. Ce n'est pas des jeunes, parce qu'on dirait, bon, c'est un jeune, c'est normal qu'il est plus petit, le fémur. Il va grandir, en sachant que les reptiles ont une croissance continue tout le long de leur vie. Donc on a pu discriminer, on va dire, les os comme ça, créer deux genres
différents et nouveaux sur le même site. Bon, il n'y a rien d'étonnant. En sachant qu'en plus, le deuxième dinosaure, le Carica titan, était trouvé pas dans le locus 1 où il a été trouvé à Cyanosaurus, mais dans le locus 2. Donc c'est quasiment pas le même temps, c'est pas le même moment, c'est-à-dire on n'est pas en janvier, on est en décembre par exemple, et puis chacun meurt de son côté. Et donc là, on a pu aussi vérifier et voir qu'en fait c'était un mélange qui était. Il n'y avait pas de mélange, en fait c'était deux animaux différents. Et la chance qu'on a eu aussi, c'est que j'ai des détracteurs dans le métier, c'est normal. Il y en a qui trouvent, il y en a qui ne trouvent pas, il y en a qui ont la chance de pouvoir travailler des endroits parce qu'ils y habitent. Moi je fais des trajets pour venir jusqu'ici, j'arrête de commenter des choses. Mais on a eu la chance en fait de trouver le bassin d'Astinganasaurus et on a eu la chance de trouver un autre bassin que vous voyez en photo, à gauche, en bas. Le bassin de Carica titan, ils ont des caractères différents morphologiques. Et ce n'est pas le mâle et la femelle. Voilà. Parce que déjà, un mâle et une femelle, on ne peut pas avoir des proportions différentes en taille du simple ou double, en sachant que Astiganosaurus fait 10 mètres de long, et Carica titan, il peut arriver à 15 mètres, 15, 18 mètres de long, mais c'est petit pour l'époque, c'est pas non plus très grand. Pourquoi ? C'est petit. Parce que là, je reviens du Wyoming où on a extrait des fossiles de sauropodes, mais d'une période plus vieille, du Jurassique. Et là, au Jurassique, ce sont des trucs terribles. Ça part de 40 mètres, 25 mètres, voilà. Comme ce qu'avait identifié en fait Materon pour Ypsilosaurus. Ben oui, ben, si on n'est pas dans la formation Morrison aux États-Unis, on a des grands animaux gigantesques. On est dans un domaine d'îles insulaires où les grands animaux ne sont pas menacés. Il y a très peu de grands carnivores, il n'y a pas de T-Rex, des trucs comme ça, des grands théropodes. Et donc, je veux dire, il y a une liberté, il n'y a pas besoin d'être grand. Dans l'évolution et intelligente, on a des animaux, on va dire, de taille naturelle par rapport à la morphologie et leur locomotion. Alors, pour les sauropodes, les deux d'en bas, là, on a pu réaliser aussi des reconstitutions de ces animaux avec des paléo-artistes, parce que lorsqu'on crée une publication ou une bestiole, souvent les dessinateurs se disputent à l'apparition d'un article, et il vaut mieux être garant de créer virtuellement, c'est imaginaire aussi, hein. Mais on a le caractère, on sait que le Carica titan avait très peu d'ostéobien, c'est des plaques osseuses sur le dos, mais il est proche des Saltasaurus qu'on retrouve en Argentine où il y a des plaques osseuses. Donc voilà, c'est un millimémo. Mais par contre, on préfère aborder un dessin avec des artistes qui sont conseillés par des paléontologues qui ont rédigé la note. Il faudrait savoir que ce sont des notes de rang A. Donc c'est des notes qui sont retrouvées internationalement par des auteurs qui corrigent, qui disent ben non, c'est nul, on n'en veut pas, voilà, on fait des corrections pendant 6 mois. Et un article, souvent, ça met des années à sortir. Une année, c'est court. Souvent, c'est 3-4 ans. Donc vous voyez que pendant, je ne vais pas vous convaincre, mais pendant la création de la fouille la découverte du sacrum en 2002, on se retrouve en 2010 à publier ce premier dinosaure. On a pu après aussi, lors des préparations des fossiles, pouvoir aussi faire des phases importantes dans la préparation, c'est-à-dire on a misé plus une préparation sur tel groupe pour pouvoir travailler après dessus. On n'a pas tout dégagé en même temps, parce qu'on ne pouvait pas déjà, c'est très chronophage, ça a pris plus de 8 ans, comme je vous l'ai dit, mais on a ciblé les sauropodes, après on a ciblé, dans le dégagement, on a retrouvé en fait du matériel complémentaire au nouveau dinosaure qu'on appelle Carabonon, hein, aussi, Rhabdomontidé, Materodon, Provincialis, et le Materonodon, en fait, on avait retrouvé le maxillaire, la partie de la mâchoire supérieure, en 2002, lorsqu'on a préparé le matériel des fouilles 2009-2012, on a retrouvé des dents inférieures, des dents supérieures, et on a pu, grâce à cet apport de matériel,
compléter en fait les caractères par rapport à cette première mâchoire. Et on a fait aussi des comparaisons avec d'autres mâchoires de rhabdon qu'on a retrouvées ailleurs, dans les Corbières, à Esperanza, dans l'Aude, dans le Var, etc. Souvent c'est du patin qui est très peu, et celui aussi du rhabdon de Vitrolles, où il n'y a qu'un dentaire, mâchoire inférieure. Et on s'est aperçu que nos dents en fait étaient très très grosses. C'est des dents qui font à peu près 4 fois la taille d'un rhabdon qu'on trouve en Provence ou en Espagne. Et ils ont énormément de crêtes. Ces crêtes coupantes, en fait, ça fait un peu comme une dent d'iguane, et il y en a 14. Et les autres, ils en ont entre 10 et 11. Voilà. Donc on a aussi un caractère morphologique qui est bien installé et qui montre un caractère, on va dire, évolué, parce qu'en fait, ça renforce un petit peu la dentition, l'aspect coupant. Et on s'est aperçu que en tomographie, c'est-à-dire qu'on a passé la mâchoire supérieure au scanner, et ce dinosaure avec une dentition unique, jamais observée jusqu'à présent dans les dinosaures, c'est qu'il avait des dents coupantes, avec une dentition très réduite, avec que 4 dents d'un côté par mâchoire. Donc ça fait 8 supérieures et 8 inférieures, 16 dents, que normalement, chez les autres animaux, ils ont un assemblage de dents consécutif sur la mâchoire. Donc ça fait comme un ciseau, ça vient complètement couper comme ça les feuilles, et on pense que ça devait couper les feuilles de palmiers qu'on a retrouvées à l'époque aussi sur le territoire de Vaud. Voilà, vous voyez aussi que les petites dents de ce repos sont très petites. Hein. Voilà, c'est comme des dents cylindriques. Et ça fait comme un peigne. En fait, les dents sont au début du museau, comme ça. Et ça vient arracher un peu le feuillage, un peu comme font les chèvres, les feuilles. Alors ça, c'est on arrive au terme des découvertes. Mais bon, vous avez vu les dinosaures. On a aussi retrouvé sur le site quelques crânes de crocodiles qu'on nomme, c'est un crocodile mais de type alligator. Et toute une ontogénie de crânes, c'est-à-dire qu'on a des jeunes, des moins jeunes et des adultes. On a toute une évolution crânienne comme ça. On a plusieurs crânes découverts sur ce site. Donc ce qui est fait l'objet d'une étude, c'est on est en révision. Et on a passé ces crânes au scanner, on peut voir un petit peu justement la nature en vert, comment est constitué le cerveau. Donc ça, c'est des apports, on va dire, modernes, en sachant que la paléontologie actuellement, en 2020, elle a 200 ans, pardon, 2022, elle a 200 ans, et ça fait qu'à peu près 150 ans qu'on commence à faire de l'évolution de la paléontologie avec des données techniques. La photographie, la tomographie, on en est là. Donc on est dans la paléontologie moderne. Ça fait 150 ans qu'on essaye de ne pas faire que des comparaisons, de dire os par os. Il y a d'autres choses. On va faire une coupe d'os, on va voir la structure de l'os, etc. C'est ce qu'on fait maintenant. Ce que vous voyez aussi en bas de l'écran, c'est une coupe osseuse dans un os. Qu'on a prélevé sur le terrain, qui était énigmatique pour nous. C'est un grand tendon qui faisait presque 2 mètres de long. On sait que c'est un tendon parce qu'on a fait des coupes osseuses. Et autour de son tendon, on a trouvé aussi des restes de... On pourrait penser que ce sont des traces de peau. Voilà, donc ça, c'est en cours. Si c'est des traces de peau, c'est intéressant parce que si on montre qu'il y a une conservation qui est quand même importante. Justement dans le locus bleu où il y a le museau plus fin. Donc ça c'est encore en cours d'étude parce que ça reste important. On a, en dégageant ces os très longs aussi, on a récupéré beaucoup d'os très longs et on s'est aperçu qu'on avait aussi les restes d'un reptile volant. On a nommé Mistral Adzarco, magie. Donc Adzarco, ça... C'est en hommage en fait à Zarco avec un reptile qu'on trouve dans la région de l'Opitis, comment ça s'appelle ? En Perse, ça veut dire dragon ailé. Voilà. Et Mistral, bon voilà, on comprenait pourquoi. Magie en hommage aussi au maire qui nous a aidés dans tout ce projet d'exploitation et de valorisation pendant ces dernières années.
Et en faisant ces préparations, à chaque fois, on trouvait des pinces de crabe. Et ces pinces de crabe, on les a trouvées en 2002 aussi, on a trouvé quelques-unes. On dit, oh, c'est mauvais, on a la mer à côté. Et donc, par rapport à tout le cortège d'animaux qu'on a pu trouver, on dit, c'est pas possible qu'il y ait des mares à côté. Et donc, on a fait des analyses, et il s'avère que ce sont des crabes qui ont un petit peu ressemblé au palétuvier, aussi au crabe de maintenant. C'est des crabes terrestres. Et on a découvert sur ce site les plus anciens crabes lacustres au monde. Donc avant, les premiers crabes lacustres fossiles et avaient un âge de 30 millions d'années. Nous, on l'a descendu à l'âge du site à 74 millions d'années. Donc ça fait l'objet d'une grosse revue. C'est Scientific Reports en 2019. Et Scientific Reports, c'est une revue équivalente à Nature, c'est du groupe Nature. Voilà, donc encore un peu beaucoup de travail. Comme vous voyez aussi, il y a une vertèbre cervicale indéterminée, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est des fossiles qui sont encore en attente, ils ne viendront pas encore au musée parce qu'on en a encore besoin. Alors, Velo, voilà, vous voyez qu'il y a une grosse richesse. Créer trois genres de reptiles, donc trois dinosaures, pardon, plus un reptile volant, ça fait 4, plus un crabe, ça fait 5, sur un même gisement, c'est rarissime, ça arrive rarement, en sachant que en 1869, Philippe Matteron, je pense, a passé sa vie à chercher, il a trouvé des trucs, hein. Mais le site de Velo, c'est une aubaine pour un site de référence comme le Crétacé supérieur, et c'est devenu un site de référence, pourquoi ? Parce qu'il y a des fossiles, c'est sûr, mais ces fossiles, en fait, ont servi la communauté et le public sous forme de valorisation à travers des publications scientifiques qui ont été validées. Donc maintenant, on sait que tout le monde entier savent qu'il y a des gisements importants à Velo. Ils connaissent aussi Velo, la Bastide Neuve. Velo, ils ne savent pas, mais ils connaissent Velo, la Bastide Neuve. Materodon aussi a fait la une aussi des journaux, même dans un grand journal japonais, le plus gros quotidien au monde, il a fait la une, faut le savoir ça, c'est pas le méridional, mais bon voilà, c'est important de le dire aussi. Et ça aide tout, c'est-à-dire ça aide les chercheurs, ça aide, moi je suis convaincu que d'autres communes s'appellent... veulent s'appeler Terre des dinosaures, c'est Velo, Terre des dinosaures. Jusqu'à présent, il faudrait qu'il y ait une production scientifique équivalente ou un site de même ampleur pour le contester ou pour l'affirmer, je ne sais pas. Mais bon, il y a d'autres gisements, comme vous disiez, on n'est pas à faire des frontières. Nous, on travaille largement, on va dire, en paléogéographie, donc c'est un ensemble, un écosystème global. Et avant Tavrin, avec l'équipe de Poitiers, on a eu la chance qu'on ait un niveau un tout petit peu plus vieux que Velo, 80 millions d'années. C'est un étage qu'on appelle le fuvélien. Ça vient de Fuvo, où Gaston de Saporta a étudié les plantes à Fuvo dans les mines de charbon. Et bien, ce charbon a 80 millions d'années. Et avant, on a trouvé des restes de poissons qui s'appellent l'Atractosteus africanus. Voilà, donc vous voyez la mâchoire. Vous avez un moulage qui est au musée. Pourquoi un moulage? Parce que le fossile a été trouvé en 96 et il est déposé au musée des dinosaures à Esperanza. Voilà. Donc comme c'était une structure publique avec des paléontologues, la pièce a été déposée là-bas pour pouvoir faire la note avant qu'il y ait une création de salle paléontologique à Velo. Il n'y avait rien, donc le fossile est parti et il n'y a surtout rien à... Avant Tavrin, ce fossile est parti, mais par contre il y a une copie en exposition et il y a aussi une copie aussi du même site qu'on a retrouvé avant Tavrin. Donc c'est à côté de l'autoroute, hein. Vous voyez une photo, vous voyez la flèche rouge où le poisson a été trouvé. On a retrouvé aussi un reste de sélacanthe. Vous voyez ce que c'est le sélacanthe? Le sélacanthe, avant il y en avait beaucoup, mais il était marin.
des fois il y avait des sélacanthes lacustres, et c'est le cas. On a publié ce premier sélacanthe lacustre qui s'appelle Megadromos. Axel Rhodictis Megadromos. Megadromos, c'est-à-dire la grande voie, c'est-à-dire qu'il avait des connexions sûrement avec l'Amérique du Nord. Et pourquoi l'Amérique du Nord? C'est que souvent, on a les plaques. Je disais qu'en fait, ici, il faut s'imaginer que c'était une île, mais il y avait des connexions aussi en archipel vers l'Angleterre, de l'Angleterre vers les États-Unis, l'Amérique du Nord. Et donc, c'est des connexions, et on a les faunes, on va dire, qu'on retrouve aux États-Unis, en Amérique du Nord. On a ces mêmes sélacanthes qu'on a retrouvées. On a l'Atractosteus africanus, qu'on retrouve en état fossile, avant Tavrin, mais ça s'appelle, en fait, le brochet alligator, parce que vous voyez ce que c'est. On pêche encore actuellement dans les grands fleuves, dans le Mississippi, tout ça. C'est ce poisson alligator. Et donc ça, le fossile, on le retrouve ici. Alors pourquoi dans l'actuel, il n'y en a qu'en Amérique du Nord, de ce brochet alligator? Donc c'est qu'il y avait des connexions. L'animal est resté sur place. C'est pas le même genre, la même famille, mais c'est le même gène, on va dire, de ce poisson. Il est resté sur place. Par contre, il avait une extension plus importante, ben, il y a 80 millions d'années, etc. Vous verrez que ce fossile, on le retrouve aussi dans d'autres sites, dans l'Hérault. Récemment, on en a trouvé des restes de poissons alligators. Donc, bien sûr, les œufs, il y en a à Veaux-la-Bastille-Neuve, il y en a aussi à Ventabrin, dans les photos d'œufs. Et sur les bords de lac, on a des restes de palmiers. Et là, c'est des flores qui sont très intéressantes, qui sont à mettre en relation avec les plantes qu'a trouvées, les débris de plantes qu'avait trouvé Gaston de Saporta au niveau du pont de l'Arc, entre Doux et Ventabrin. Donc ça, ce sera un site important à fouiller, parce que la préservation est cellulaire. On a vraiment toute la cuticule. La cuticule, c'est la cire qu'il y a sur l'épiderme des végétaux. Et là, elle est préservée. Et on a fait quelques lavages, on n'a pas que du palmier, on a aussi des angiospermes, des pantafleurs. Donc il y aurait toute une flore inconnue sur cet endroit-là, encore à Veaux, en sachant que les fossiles, les collègues de Gaston de Saporta, personne ne sait, il y a trois trucs au muséum de Paris, voilà, c'est fini quoi. Donc, l'intéressant, c'est d'avoir les vertébrés, plus des plantes, ça permet de mieux cerner un écosystème de l'époque. Alors, Vitrolles aussi, la plaine, c'est un site où il y a deux locus, un locus où on trouve des mammifères, et un locus où on trouve, et un locus où on trouve des œufs. Alors là, on est très très haut dans le Crétacé supérieur. On est à 2 millions avant l'extinction des dinosaures. On est quasiment sous les calcaires de Rognac. Ici, on est... je vais m'approcher. Voilà, les calcaires de Rognac sont là. C'est encore la fin du Crétacé, 66 millions d'années. Le site de Veaux, il est en dessous, là. De Vitrolles, pardon, excusez-moi. Et le site de Veaux, ce sera encore à peu près par là. Donc c'est intéressant d'avoir une archive, une connaissance de la biodiversité ancienne comme Veaux il y a 74 millions d'années. Mais Vitrolles est aussi intéressant parce qu'on se retrouve vers l'extinction des dinosaures au moment où il y a une radiation, où il y a les faunes commencent à être de moins en moins riches. Pourquoi? Il y a eu aussi des astéroïdes, des traces d'iridium, etc. Donc on a tout un projet qu'on essaye de mettre en place, qui s'appelle Aquapal. C'est un projet qui a été accepté par la région, qui a démarré en octobre. Et on a des sites d'ateliers, comme le site de Vitrolles, où on va pouvoir analyser, on va dire, finement ces sites, en géologie, en faune, etc. Il y a le site de Veaux aussi, qui est en atelier, et le site de Persa, que je vous montrerai après, où on a aussi justement ces faunes modernes du Crétacé supérieur, mais on va dire anciennes, il y a 100 millions d'années, la base du Crétacé supérieur. Donc on a vraiment une chronologie de la faune
française, on va dire européenne, ce que vous voulez, de sang quasiment à l'extinction, en finale avec Vitrolles. Alors c'est un site intéressant parce qu'on a retrouvé des restes de mammifères, mais aussi des restes d'un adrosaure. Alors là, c'est en bordure de l'autoroute aussi, hein. Voilà, c'est toujours galère. Imaginez les autorisations. Voilà. Donc des capages comme à velours avec peinture rouge, des plâtres et on les charge dans la voiture. Je regarde l'heure. Alors voyez les restes de mammifères, en sachant que c'est des petits animaux, hein, ça fait une trentaine de centimètres, vous avez une reconstitution. Voilà, pigeuse là. C'est pas une souris, hein, mais ça ressemble un petit peu à, je sais pas, un petit blaireau, un truc comme ça. C'est la famille. Oui. Oui, oui, oui. C'est la famille justement des élestidés qu'on retrouve encore en Amérique du Nord. Vous voyez les échanges, c'est la camp, le poisson alligator, les adrosaures qu'on retrouve aussi en Amérique du Nord. Et là, les adrosaures à Vitrolles, c'est le seul qui a été trouvé dans le sud de la France. Donc c'est vrai que ce site de Vitrolles-la-Plaine est important parce qu'on a aussi un autre dinosaure. On n'a pas que du rhabdodon, on a aussi autre chose, c'est ça qui est important. Et le fait de trouver ces petits mammifères, c'est des placentaires, hein, c'est comme nous. Hein. Et c'est les groupes des élécidés, comme je vous ai dit, mais qui regroupent aussi les ongulés. Alors les ongulés au sens large, c'est les chevaux, les antilopes, les éléphants, voilà, c'est très large. Donc, mais par contre, des petites mâchoires comme ça, de cette période-là, pendant la période des dinosaures, on va dire, juste avant l'extinction des dinosaures, il y avait des mammifères qu'on ne peut passer, qu'on donnait les groupes modernes. Ça, c'est un groupe moderne déjà, qui a des dents comme un herbivore, et il est haut sur pattes justement, parce qu'il avait des petits sabots, quoi, ongulés, ongles. Et on a retrouvé justement des mâchoires sur ce site. Il y a 5 mâchoires. Et en Espagne, ils n'ont que des dents. Voilà. Donc quand on a une mâchoire complète, c'est plus facile à trouver, à travailler. Et là, récemment, on travaille sur une mâchoire supérieure, celle qui est en tomographie. Vous voyez l'image à gauche. Là, on voit bien la présentation. On peut savoir comment est l'épaisseur de l'émail, savoir combien il y a de racines dans l'os, la mâchoire. Donc ça, c'est un truc intéressant. On ne cherche pas que des dinosaures, des fois on cherche autre chose, on peut trouver des mammifères. À Velo, on n'a pas eu la chance de trouver des mammifères, et ça peut arriver. Ils sont là, il faut simplement faire attention aux observateurs où les trouver. Et c'était des herbivores? Oui, herbivores. Manger des végétaux, herbivores, totalement. Et sur les œufs de dinosaures, on a aussi retrouvé aussi sur ce site-là des œufs pathologiques, donc un œuf de dinosaure, où il y a double coquille. Il y a deux niveaux de cristallisation de la coquille. Donc on appelle pathologique, c'est-à-dire avoir un stress dans l'oviduc de la femelle, ou encore un deuxième enroulement de coquille, de carbonate. Alors. Je vais repartir maintenant, on a parlé du Bast Index, un petit peu tous les sites que l'on exploite, ça fait beaucoup quand même. Ben, c'est pas d'une année sur l'autre, parce qu'il faut pouvoir après travailler sur tout ce matériel. Mais on a aussi le site de Villeverac, où on a un autre cortège d'animaux qu'on retrouve dans le Bast Index. On a aussi des rhabdodons. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on a un accès à la carrière, c'est une mine de bauxite. Et chaque année, au mois de juillet, j'emmène des étudiants, à peu près une douzaine, et on fait un camp de fouille, on va extraire des fossiles, on va avoir les notions de terrain, et c'est important d'avoir ce type de chantier aussi au niveau des universités, parce qu'ils sont demandeurs, et on a aussi pas mal d'étudiants de l'Académie d'Aix-Marseille. Alors là, l'étage, on est comme vent par vent à 80 millions d'années. Donc vous voyez qu'il y a aussi. C'est raisonné. On aime bien avoir aussi des datations qui se collent pour essayer de faire après des comparaisons de sites et d'assemblages de faune ou de flore. Bon, ça, c'est dans le Languedoc. Ça, c'est quasiment chaque année, par contre.
C'est une semaine. Alors sur ce site aussi, dans le bassin de Villers-Acmez, alors pourquoi Villers-Acmez? C'est là un petit peu aussi où j'avais commencé à travailler dans le parc des dinosaures de Metz, la plaine des dinosaures. On avait déjà vu qu'il y avait des œufs, et c'est grâce à ça que ce parc a été monté. Donc il y a une très grosse succession de géologique, 70 mètres d'épaisseur de sédiments, avec des localités, elles sont marquées, hein. Vous voyez, Saint-Philippe, Grande Marquise, Fond-Mars, tout ça, Val-Joyeuse, ce sont des localités où on trouve des œufs dinosaures sous forme de nids. Voilà, il y a des pontes, des animaux qui sont venus pondus, et on a pu extraire des œufs et aussi faire des quantifications de types de coquilles grâce à des lames minces. Vous voyez, les coquilles, vous voyez, on peut faire des distinctions. On a une vue externe de l'œuf, externe, et on a aussi des fois des vues internes. La coquille n'est pas pareille. Et ça, ce petit œuf, c'est un petit œuf de petit dinosaure carnivore de petite taille. C'est quasiment un des plus petits œufs qu'on a retrouvé dans le sud de la France. Ça s'appelle Prispatodytus cavoti, en hommage au directeur du parc où le fossile a été trouvé. Alors soit c'est dédié géographiquement les espèces, soit un caractère caractéristique de l'animal, ou le nom du découvreur aussi. Alors Villers-Acmez, que voilà, beaucoup de poissons, des grands mosasaures lacustres. C'est comme les mosasaures que vous voyez, je ne sais pas, vous connaissez mosasaures? C'est des reptiles marins normalement, là ils sont lacustres. Des lézards, voilà. Donc ça c'est les résultats des campagnes de fouilles, hein. C'est encore une faune qu'on n'a pas avant Tabrin, donc c'est complémentaire. Un lézard qu'on retrouve aussi en Amérique du Nord, qui est la famille des Anguimorpha. Vous voyez une petite silhouette de ce lézard qu'on retrouve aussi actuellement en Amérique du Nord. Alors l'intéressant, c'est qu'on a du rhabdodon aussi, rhabdodon priscus peut-être, comme celui de Philippe Matheron, pas matéronodon bien sûr, des jambes très petites avec moins de cannelure, comme je disais tout à l'heure, entre 10 et 11. Et par contre, l'aspect feuillage est important sur ce site à Villers-Acmez. On a beaucoup de plantes à fleurs, des angiospermes. On a 23 types. On a aussi des conifères, un peu moins. Et grâce à ces feuilles, on va pouvoir quantifier la nervure, faire des analyses clampes, c'est-à-dire qu'on va, suivant la caractérisation du feuillage, il faut avoir une vingtaine de types au minimum. Là, on en a un peu plus. Et on va pouvoir coller un modèle avec l'actuel. Et on sait qu'on est en zone tropicale, et c'est, on va dire, comme la Floride, voilà. Grosso modo, c'est pour dire, voilà, on a un paysage comme la Floride. C'est l'analyse qui nous le dit. Mais par rapport aux faunes, comme la Floride, là je vois pas, mais j'ai pas mis, on a aussi du poisson alligator, le brochet alligator, comme en Floride. Donc il y a des choses qui se tiennent, même si on ne doit pas faire des correspondances avec le récent, mais bon, il faut aussi en faire. Alors, le Struthiosaurus longiotosensis, un dinosaure, un ankylosaure avec des plaques osseuses qu'on a retrouvé strictement à Villers-Acmez. C'est pour ça qu'on y est aussi. Voilà. Donc, humérus, en position centrale, l'os de l'avant-bras. On a l'omoplate et le coracoïde en connexion. Et on a aussi des plaques osseuses et des grandes épines aux plaques cervicales. Donc, c'est un ankylosaure, c'est comme vous voyez. Les tatous là, vous voyez, c'est très cuirassé et il avait des épines sur les côtés aussi, au niveau du cou. Et on a retrouvé aussi, comme à Velo, ben, un bassin. Et quand on trouve un bassin, voilà le bassin en haut, 1996, on a pu aussi travailler sur cette bestiole. Voilà, le bassin a été publié en 2003 par Géraldine, dans une revue qui s'appelle JVP, Journal Vertébrate Paléontologie. Alors je vais aller plus vite. Bon voilà, tout ce qui est sud de la France, pour le Crétacé supérieur, ça fait quelques sites où il faut s'y tenir, parce que lorsqu'on n'y va pas, eh ben, d'autres essayent de prendre la place. C'est les vases communicants. Par contre, à partir de 2009,
J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Et donc, on a pu travailler tous les week-ends grâce à un agrément, un permis de recherche avec le groupe Vinci. On a pu travailler sur ce chantier pendant à peu près 3 ans grâce à l'association Paladios aussi. Et on était assermentés. Et de collecte ponctuelle, ça s'est transformé en fouille, en grosse fouille. Donc vous voyez à peu près entre Poitiers et Tours, on n'est pas monté jusqu'à Tours parce qu'on avait beaucoup de boulot. Mais par contre, on a fait 240 km de prospection en 3 ans, à pied, en voiture. On a cassé 2 moteurs de voiture, voilà, ça a été une grosse aventure. Mais on a répertorié des sites qui étaient inconnus, nouveaux. C'est un petit peu la démarche qu'on peut avoir aussi avec le bassin d'Aix, avec les collecteurs historiques qui ont donné aussi une part belle à la paléontologie, en parlant de Materon, Gaston de Saporta, etc. Voilà. Donc là, par contre, c'était une collaboration aussi avec, pas tout seul, avec l'Université de Lyon, l'Université de Rennes. Une vingtaine de collègues aussi ont pu travailler grâce à ce projet qui a mené en fait une production de fossiles importants pour le Jurassique, la période secondaire on va dire, et au-dessus après vient le Crétacé, c'est tout ce qui est vert, les ronds verts. Vous voyez qu'il y a eu des ronds verts qui émergent. Ah mince. Voilà. Voilà. Alors ça on est sur la LGV, c'est le site de Jaune-Éclan. On est à quasiment à 100 millions d'années. On est dans le Crétacé supérieur basal, tout début du Crétacé supérieur. Et on n'a pas retrouvé de restes osseux, mais c'est que des plantes. Je vais aller plus vite hein, pour ceux qui veulent partir. Je vais aller un peu plus vite. On a travaillé pendant 2 ans sur ce site. Et ça s'est transformé par un îlot en milieu de travaux qui était balisé, qu'on a fouillé, au but de témoin. Après, on a travaillé. En 2014, on a réouvert le chantier pour travailler dans le talus aménagé de la LGV. La LGV, c'est une grande vitesse, là où passe le TGV. Et on a retrouvé beaucoup de plantes très bien conservées, des fougères, des nénuphars, des ailes de libellules, des insectes et des plumes de dinosaures, des pollens, etc. Vous voyez. Alors ça, c'est une archive du Crétacé supérieur, donc c'est intéressant. Donc les résultats ont été publiés, là je vois, il y a 3 papiers, en 2014, en 2015 et en 2019, en sachant qu'on a commencé de travailler en 2012 jusqu'en 2014. Ça a été très vite, parce qu'il y avait matière. Sur la LGV, on a aussi travaillé sur d'autres terrains, en se déplaçant sur d'autres sites. On a retrouvé des silex avec des plantes conservées, vous voyez le silex en haut. Et cette plante a un nom, elle s'appelle l'Omanopteris. Et Gaston de Saporta, on avait retrouvé dans les mêmes niveaux âge, je ne sais pas. Là, on est entre 95 millions d'années et 90. Donc, c'est le silex, il a 90 millions d'années, celui-là. Et donc, ce silex, Gaston de Saporta, on avait retrouvé du côté de Martigues, à la Mède. Donc c'est la première occurrence de cette plante, l'Omanopteris. C'est une plante à fleurs. Ça ressemble à un buis. On pourrait croire que c'est une fougère, mais c'est un buis. Et c'est la première occurrence du sud de la France jusqu'à la partie ouest de France, centrale. On a sorti aussi des restes de troncs d'arbres, de plus de 2 mètres de long, de pins. Des restes de fougères arborescentes, tout un cortège de bois silicifié où on voit la structure cellulaire conservée. Et là, on parle de conservation exceptionnelle. Donc, c'est très très bien conservé. On voit toute la structure sur une écorce, sur un bois, on voit l'écorce, l'intérieur du bois, etc. Toute la structure. Oui. Est-ce qu'on peut estimer la température qui faisait cette époque-là ? Alors, si on a des feuilles, oui, avec l'analyse Clamp, on peut estimer la température. Alors pour Villevérac, je rebondis, on a une température basse de 21 degrés l'hiver à 25 degrés à 27 l'été. Mais c'est une moyenne. Donc ça reste quand même du tropical. Là, on ne peut pas, parce que c'est que des restes de bois. Par contre, on peut voir, oui,
la croissance continue des arbres, pas plus. Pas plus, mais on ne peut pas estimer la température. Mais par contre, on est dans un environnement quand même d'eau chaude, d'eau tropicale encore, on est dans le Crétacé. Mais si on avait des feuilles, on pouvait. Par contre, pour la température, on peut rebondir, on a dans ces bois des vers qu'on appelle des tarés, des foulades, la famille des foulades. Et en faisant une tomographie, on s'est aperçu qu'on avait les restes d'intestin préservés, les organes en fait, les bronchies, l'estomac, là. Et il vit dans une enveloppe carbonatée qui sécrète. Et ces vers, on les retrouve en Indonésie. C'est des vers qui viennent creuser la coque des bateaux. Donc c'est des eaux comme l'Indonésie, des eaux chaudes. Bon, ça c'est la Vienne. Donc bon, on reste quand même en France. Hein. Notre site Corbet-Clairvaux, on a aussi de la préservation quasiment du même âge, avec 90 millions d'années comme jaune éclan, avec des plantes où on voit très bien la cuticule des plantes préservées. On a l'impression que c'est actuel, c'est comme du papier. Voilà. Après, on peut remonter avec des anciens travaux. Voilà, c'est une coupe faite par un chercheur géologue qui s'appelle Delongmar à la fin 19e, qui a recensé aussi des niveaux similaires à ce qu'on a trouvé sur l'LGV, mais il les avait annotés azoïques ou avec des débris de bois. Mais bon, ça, c'est pas, ça ne veut rien dire. Nous, on préfère maintenant avoir des échantillons, et grâce aux travaux à grande vitesse, on a pu collecter, et on travaille encore dessus parce que c'est productif. Alors, le dernier truc, pour terminer, l'LGV, en fait, maintenant, les trains passent, on ne peut plus collecter, hein, ce sont des localités qui ont été recensées, on a le matériel suffisant pour travailler, ça s'appelle un sauvetage, on est pendant les journées du patrimoine aujourd'hui, donc c'est du patrimoine, le travail de terrain et de collecte et d'archivage. Mais par contre, on a pu, le site de Jaune Éclan et le site de Colombier où il y a des bois fossiles, on a pu les inscrire au programme national qui s'appelle les géotopes, où on sait qu'à tel endroit il y a ça, que c'est fouillable, que les couches continuent. C'est aussi pour dire que dans les générations futures, si par exemple derrière la LGV il y a le projet d'une construction d'un immeuble, ils vont faire des grandes fondations, on peut exiger de fouiller parce qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas que l'archéologie qui peut avoir l'exclusivité de cette démarche. La paléontologie peut prendre le relais, mais par contre on ne pourrait pas confier ce travail à la DRAC de travailler sur des roches sédimentaires, parce que les sédimentaires, il y en a partout. Ça pourrait être problématique. Mais par contre, quand on traverse par exemple une falaise, ou on fait un ouvrage d'art, ça serait intéressant quand même qu'il y ait une analyse géologique et paléontologique qui soit faite de temps en temps, mais ce n'est pas systématique, comme je vous ai dit, il n'y a pas de législation. Alors le site de Persac, là c'est une découverte que j'ai faite il y a 3 ans, le pur hasard. C'est en descendant souvent vers ici, on s'est dit toujours, quand on voyageait en famille, en disant, il faudra que j'aille dans cette carrière. Et ça a été pendant 10 ans ça, pendant 15 ans ça. Et en 2018, je suis rentré dans cette carrière et j'ai vu c'est des niveaux marins, donc du Jurassique, donc il y a des ammonites, des choses comme ça. Moi, j'ai aucun intérêt d'y aller. C'est pas ma tasse de thé. C'est pas du continental. Voilà, il y a des oursins, des bivalves, c'est intéressant. Donc, voilà. C'était archivé comme voilà, déjà légendé au niveau de la carte géologique, donc on savait ce qu'il y avait dedans. Mais par contre, c'était une carrière où ces calcaires étaient fissurés et remplis d'argile grise et sombre. Donc quand je me suis approché, j'ai vu qu'il y avait des plantes. Donc j'ai demandé un contact avec la carrière. Et donc, difficilement, j'ai eu l'autorisation de pouvoir collecter. Et lorsqu'on a préservé, on va dire, le îlot où on voulait bosser, on s'est aperçu que dans les remplissages, il n'y avait pas que des plantes. Il y avait des réservoirs où il y avait énormément de petits restes osseux, millimétriques à quelques dizaines de centimètres.
avec beaucoup de fossiles, de petites choses, des dents, des plaques de tortue. Et donc vous voyez, il y a beaucoup de poissons, des batraciens, des lézards, des petites faunes de crocodiles, des mammifères, des reptiles volants, d'ankylosaures, des petits dinosaures théropodes, des oiseaux, des tortues. Et ça, on a une faune qu'on peut retrouver à Velo. Ces tortues, on les retrouve à Velo. Mais là, on est sur des animaux primitifs qui ont 100 millions d'années, mais qui sont déjà là. Et on est, pour rebondir, comme je vous ai dit en début, on est dans un modèle où on pense que c'est que la mer. Ben non, à un moment donné, on peut se retrouver sur un vrai modèle d'écosystème terrestre. Et là, c'est le seul écosystème terrestre connu en Europe de cet âge-là de 100 millions d'années où on a des fossiles. Et donc, ça va être le seul d'Europe. Donc, on est en train de travailler. Et ça permet aussi de faire avancer aussi les autres thématiques qui, entre 100 millions d'années et soit 106 millions d'années, la limite Crétacé-Tertiaire, avec le site de Vitrolles, le site de Velo, Ville Vérac, etc. Donc tout ça, c'est un cheminement, on va dire, de travail. Et sur le site de Persac, dans la Vienne, on a une petite vidéo qui tombe sur YouTube, qui s'appelle Persac au Crétacé. Ça permet aussi de montrer aux collectivités que c'est important. Et ce site, il va être... La carrière, on y travaille, on a un permis de recherche, mais le propriétaire du terrain favorise aussi. Donc on va clôturer le site pour pouvoir y travailler, pour éviter tout pillage ou des choses comme ça. Parce que là, il suffit d'amener du sable, on prend des choses. Donc tout ce sable lavé, vous voyez le lavage, le lavage. Donc on fait des collectes de terrain, on récupère du sable, on fouille, on lave, on trie après sous binoculaire pour trouver des petites dents de mammifères. Et on a des feuilles, mais aussi dans des fruits, on a aussi des graines de préserver, des choses comme ça. Voilà, tout ça, vous avez vu l'aspect terrain. Voilà, et donc après, on est vraiment comme aujourd'hui dans la valorisation patrimoniale et scientifique. Et donc là, c'est simplement la valorisation qu'on a fait en Vienne. Au cours de ces quelques années, on a participé justement au livret justement l'archéologie à grande vitesse avec le recensement des sites paléontologiques inclus dans l'archéologie. Ça c'est bien, c'est incroyable même. Pendant qu'on a travaillé sur la ligne à grande vitesse pour essayer d'amadouer les concessionnaires, on a créé une exposition gratuite itinérante qui s'appelait le rail du passé, ce qui nous a permis de continuer. Et justement, en 2014, lorsque les travaux étaient terminés, on a pu réouvrir le chantier, parce qu'on avait retrouvé des ailes de libellules fossiles qui a fait l'objet d'une publication. Et quand on a réouvert le chantier, dans le talus, on a trouvé les plumes de dinosaures. Donc c'est vrai qu'un fossile en amène un autre, mais des fois, c'est pas parce qu'on ne trouve pas qu'il n'y est pas. C'est ça. Donc avec les bois fossiles, on a pu participer aussi à l'expo au T-Rex à Paris, parce qu'ils n'avaient pas. Voilà, donc là on est en train de... Il y a une exposition qui s'appelle Dragon versus Dinosaure, où le Matéronon est en vedette, hein, où on présente des fossiles de toutes les localités que vous avez vues sous forme de moulage ou d'originaux, pas sous de l'eau, hein, sous forme de moulage, où on a... Une autre vision en fait, de la paléontologie, comme si j'essaie de vous vendre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le ramasser des os. On ramasse des os pour les utiliser, pour essayer de voir comment est la structure osseuse, est-ce qu'elle a évolué, est-ce que... Voilà, on est plutôt maintenant dans l'observation, on va dire, même interne des choses. L'aspect aussi de médiation qui est important, accueillir des collégiens, des lycéens sur le site, essayer de faire passer des vocations, comme je vous ai dit par rapport au chantier école qui est à Ville-Vérac, où chaque année on a des étudiants de différentes universités, même étrangères, qui viennent sur le terrain aider au projet et mettre les mains dans le cambouis, parce que des fois il faut taper au marteau burin, on tape sur les doigts, c'est comme ça. Hein, faut... Et le patrimoine géologique national aussi, qui permet aussi de recenser les sites importants pour pouvoir les conserver dans l'avenir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je
pour remercier encore la ville de Velo pour cet accueil et ce grand partenariat qui dure. Et aussi les amis du patrimoine de Velo qui nous ont invités. Voilà. Donc vous avez aussi tous les partenaires financiers. Ah oui, je dis ça, mais c'est moi qui l'a fait. Excusez-moi, désolé. Vous avez tous les partenaires financiers qui suivent un petit peu et qui aident le travail. Voilà, je ne vais pas les rémunérer, les énumérer. Et j'ai mis la démarche du temps. Voilà, donc on travaille aussi un petit peu en scénographie pour essayer de montrer tout ce travail, qu'il soit didactique et visuel. Voilà, vous voyez où on se place, mais il y a eu des choses avant, on y croit, on n'y croit pas. Mais la Stinganosaurus, il est là. Donc c'est de la pub, quoi qu'il arrive. Voilà, merci de m'avoir.